Chers collègues, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, je vais maintenant plaider, et même longuement, la cause animale, pour que l'agroalimentaire cesse de traiter vaches, poules et cochons comme une matière première. Et je sais combien, lorsqu'on prend la parole pour ces êtres qui ne parlent pas, on est vite soupçonné de sentimentalisme, de sensiblerie et sujet à moquerie. J'ai éprouvé le même souci il y a quelques années avec les ouvriers du poulailler Doux. Leur usine à Grincourt, dans le Pas-de-Calais, allait fermer et, piétinant devant l'entrée, entre banderoles et palettes, ont causé de leurs inquiétudes, de leur improbable reclassement, des crédits sur le dos et sur l'auto. J'avais une autre question sur les lèvres, j'hésitais. Au milieu de ces grands costauds, ces filles rudes à la peine, ça ferait sentimental. Ça ferait un télo des villes face à ces prolos des campagnes. Avec prudence, mais je me suis jeté. Excusez-moi, mais les poulets, c'est pas comme de l'acier, non? Quand vous les voyez, ça vous fait quoi? Il y a eu un blanc, là. Un silence, un temps d'arrêt. Ça les interloquait, comme si, en fait, on énonçait un non-dit, un tabou. Un homme s'est lancé. La première fois que je suis entré ici, je me suis demandé, mon Dieu, où je suis tombé. On en fait des cauchemars. Je suis pas le seul. Tu dormais, m'a raconté ma femme. Tu t'es assis dans le lit et tu parlais des poulets. Qu'on en tue autant, je ne pouvais pas y imaginer. Et il faut voir comment ça se passe. Tous, toutes, autour de lui approuvaient. Même eux, vous voyez, même ces grands costauds, même ces filles rudes à la peine, même eux qui envoient défiler des milliers chaque jour, des millions dans leur carrière de poulets, même eux ne s'étaient pas endurcis. Bien sûr, ils mettaient un mouchoir sur leur âme, il faut bien, c'est le boulot, ils courent pas les rues, le boulot. Il y a le frigo à remplir et le gasoil pour le taux et le Noël des enfants. Alors on se construit une carapace au fil des ans. On s'entraîne à l'indifférence. Mais dans un recoin, malgré les efforts, la compassion demeure. La belle compassion. Souffrir avec. La souffrance de l'autre, qui devient un peu la nôtre, l'autre fut-il une bête. Dans le sommeil de la nuit, comme un geyser qui relâche ses jets, c'est la conscience qui se libère et qui crie. Il suffit alors d'une question, une petite question timide du bout des lèvres, pour que craque cette carapace d'indifférence. Que voit-on surgir alors? Oui, de la sensibilité, des sentiments. Et ce serait une honte? Non, c'est une fierté, cette sensibilité, ces sentiments. C'est leur humanité à ces ouvriers, c'est notre humanité, notre part la plus précieuse. Ne la faites pas taire en vous aujourd'hui au nom des chiffres, au nom de l'économie, au nom de l'inertie, au nom des lobbies. Ne vous cuirassez pas le cœur. Après l'usine, dans le même coin, je me suis rendu chez un éleveur de poulets. Je n'en donnerai pas l'adresse, ni le nom, évidemment, juste un éleveur. Avec lui, j'ai traversé un immense hangar, totalement vide. Toutes ses volailles avaient crevé, et il m'expliquait simplement « L'ordinateur a donné l'ordre de chauffer, comme s'il faisait froid. Automatiquement, les bêtes ont été étouffées. En 6 heures, les poulets étaient complètement ébouillantés. Je lui demandais « Mais combien il y en avait ?»« 17 000 », il m'a répondu. C'était finalement un petit incident informatique. La faute à l'ordinateur, et ensuite, automatiquement. Cette anecdote décrit bien, dans sa banalité, un système inhumain, au sens propre, sans humain. Et j'insiste, un système. Un système né dans l'après-guerre, un système qui a fait de l'élevage une industrie, un système qui aussi, je l'admets, a diminué le coût de la viande. Mais vous savez comment, dans ce système, on nomme vache, poule, cochon, du minerai, comme s'il s'agissait d'une matière aussi inerte, aussi insensible que du charbon, comme si, jusque dans le vocabulaire, il fallait ramener l'animal à du minéral. C'est pourquoi votre texte de loi, monsieur le ministre, cet article 13, pour moi, n'est pas seulement timide. Il ne va pas dans le bon sens. Vous y parlez de quoi? Je vous cite. D'infraction de maltraitance animale, de renforcer les sanctions encourues en cas de mauvais traitement sur les animaux, d'en faire un délit de, à nouveau, ces mauvais traitements vers les animaux. Je refuse cette logique. C'est un système, je le répète, qui est maltraitant. Mais vous proposez, vous, de punir des individus déviants, des professionnels cruels, des agriculteurs, des camionneurs, des bouchers pervers. Sans doute existe-t-il, sans doute, comme partout, mais si peu, à dose infinitésimale. Le but, mon but en tout cas, n'est pas là. Non pas sanctionner des dysfonctionnements, mais bouleverser un fonctionnement. Non pas dénoncer des personnes, mais transformer une industrie. C'est pourquoi, de mon éleveur qui a subi une panne informatique, je n'ai livré ni le nom, ni l'adresse. Étais-tu le cruel ? Non, bien sûr que non. Je dirais presque, malheureusement, non. La cruauté, c'est encore un rapport personnel à l'autre. Rien de personnel là, tout d'impersonnel. Lui n'était qu'un rouage de cet immense système. C'est pourquoi, je le dis, je suis réservé quant à la vidéo dans les abattoirs. J'y vois la traque toujours du salarié méchant,
Nous aurons le débat tout à l'heure et en toute franchise, j'ignore encore en quel sens je vais le trancher. C'est pourquoi que des associations tournent des films dans un élevage en Bretagne, dans un abattoir du Sud, je le comprends. Il faut des exemples pour marquer les esprits. Mais de ce système, on ne sortira pas par des accusations en série, par des procès à répétition. Je propose quoi alors ? Je reprendrai simplement une promesse du candidat Emmanuel Macron. Un engagement désormais oublié, rogné, la fin des poules élevées en cage. Ce ne serait qu'un début, je le sais bien. Et pourquoi les poules en cage et pas les poulets en batterie ? Et pourquoi pas les porcs ? Et pourquoi pas les vaches ? Parce qu'il faut bien commencer par un bout, envoyer un signal. Alors, dans les pas du candidat Macron, allons-y pour les poules. Car c'est sans doute le pire du pire, le plus cruel du système. Faut-il rappeler le calvaire ? À l'éclosion, les poussins sont triés, les mâles éliminés, soit gazés, soit broyés. Les femelles sont alors enserrées dans des cages. Leurs gestes naturels, se percher, picorer, se baigner de poussière, sont bien sûr impossibles. L'angoisse est permanente avec du coup des troubles, des mouvements stéréotypés, de l'agressivité, voire du cannibalisme. Aussi leur coupe-t-on le bec pour éviter qu'elles ne se blessent. Leurs os trop fragiles, atrophiés, car sans exercice, se brisent, notamment à leur départ pour l'abattoir, lorsqu'elles sont ramassées et entassées dans des caisses. Là-bas, sur place, c'est consciente qu'elles sont suspendues à des crochets, sur une chaîne automatique. Mais comment ensuite leur mort, une plongée dans un bain électrifié, comment cette mort n'apparaîtrait pas comme une libération ? Je ne dénonce pas ici qu'on tue pour manger. Omnivore, carnivore, l'homme l'est depuis la préhistoire, et je le suis également. Et c'est parce que je le suis, carnivore, justement, que je vous interpelle aujourd'hui. Parce que manger un steak, boire du lait, me faire cuire un œuf, je veux le faire sans honte, sans la crainte d'avoir engendré, derrière, tortures et souffrances, sans devoir me fermer la conscience. Il faut mesurer le paradoxe sur le sujet. La tension qui traverse la société, qui me traverse, qui nous traverse, s'est développée chez nous, en nous, une sensibilité, oui, pour les animaux, notamment les animaux domestiques. Et en même temps que cette sensibilité s'est développée, jamais on ne les a aussi massivement, aussi industriellement maltraités. Alors, avec pareille contradiction, comment le système tient-il ? Grâce à notre lâcheté organisée. Nous avons éloigné la mort de nos vies et de nos vues. Les cimetières sont repoussés à l'écart des villes et les abattoirs avec. Nous avons trouvé 1000 intermédiaires qui répandent le sang pour nous, puis qui découpent, qui emballent, qui cellophanisent, qui frigorifient, qui packagent, qui marketing. Assez pour qu'on puisse oublier. Assez pour qu'à l'arrivée, ces tranches de jambon, dans notre assiette, on puisse les croire végétales quasiment, cueillies dans un arbre. Mon vœu, c'est qu'on ne cache plus, qu'on ne se le cache plus à nous-mêmes, que, comme à Bruxelles, on remette l'abattoir au cœur de nos villes, qu'on puisse y entrer, le visiter, qu'il appartienne à nos vies. Je ne regrette pas ici, je le disais, qu'on tue pour manger. Pour ces poules, je ne dénonce pas leur mort, mais leur vie avant cette minute, leur non-vie plus exactement. Car auront-elles vécu même une minute ? Auront-elles la lumière du soleil, la couleur de la terre, quand les poules de mon grand-oncle le suivaient mieux qu'un toutou dans sa cour de ferme ? On me répondra, on m'a déjà répondu, ça va coûter cher aux éleveurs. Eh bien, payons. Que l'État aide, oui, et massivement. Et il faudra bien en mettre des milliards sur la table pour transformer notre agriculture, pour la tourner vers l'agroécologie, pour la mener vers ce bien-être animal, ou ce mieux-être, plutôt. Pour qu'on ne confie pas l'avenir de nos terres, de notre alimentation à la main invisible du marché, une main seulement soucieuse de mini-coûts et de maxi-profits. Mais surtout, évidemment, il faut que ces éleveurs en soient payés, récompensés de cette conversion, qu'on leur garantisse un prix d'achat, que l'État pèse et de tout son poids face au mastodonte de la grande distribution, qu'on leur assure qu'ils n'auront pas à subir la concurrence libre et complètement faussée de fermes usines ailleurs avec des poules, mais de même pour les vaches, de même pour les cochons, gavés au dumping et au doping. Mais on me répond autre chose aussi. Et les hommes, et les salariés, et les ouvriers, vous y pensez à eux ? On m'accuse presque. Comme si soudain, pour les animaux, je changeais de camp. Comme si pour des poules, je trahissais les travailleurs. Mais au contraire. Au contraire, c'est un continuum. Depuis le 19e siècle, l'économie écrase tout. C'est la nature d'abord qu'elle maltraite. L'eau, la terre, les forêts, le sol et le sous-sol. Comme si les océans, les forêts étaient inépuisables, infiniment renouvelables, éternellement polluables, comme si les arbres, la faune, la flore n'étaient pas vivants, juste de la matière à profit. Ce sont les animaux ensuite, je l'ai dit, que cette économie maltraite, traite même pas comme du bétail, mais comme du minerai. Mais comment ne pas voir que, ensuite, ce sont les hommes qu'elle maltraite, les salariés, les ouvriers, qui deviennent à leur tour une matière à profit,
qu'on prend et qu'on jette au gré des caprices de la finance, une finance qui jette les paysans du Sud hors de leurs terres, qui jette les travailleurs du Nord hors de leurs usines, qui les jette au rebut, eux aussi, comme du minerai humain. La nature, les animaux, les hommes, c'est un continuum. C'est une même bataille contre un même Léviathan. Vous savez, devant l'usine Doux à Graincourt, j'ai posé une autre question, aussi bizarre, aussi incongrue aux ouvriers. Mais est-ce que vous êtes heureux ici, je leur ai demandé. Des rires m'ont répondu. Une hilarité collective, contenue, qui est passée d'un rang à l'autre. Tu as entendu ce qu'ils demandaient ? Est-ce qu'on est heureux ici ? Il veut rigoler, on est là pour la paye, c'est la chaîne. Après la surprise, les remarques ont fusé en vrac de Philippe, Sylvie, Virginie, Jean-Luc, sur les salaires au rabais, les courses à Aldi, le découvert à la banque, le zéro formation, leur souffrance surtout, les tendinites, les cervicales douloureuses, les sciatiques en série, la surdité qui vient, et à la maltraitance physique, la maltraitance morale, l'irrespect quotidien, les gros mots des petits chefs, le délégué syndical viré. Nul n'est heureux dans ce système, ni les ouvriers, ni les éleveurs, ni les poulets. Et bizarrement pourtant, c'est ce monde, ce vieux monde qu'on s'efforce de prolonger, plutôt que d'ouvrir le nouveau, qui fasse du bonheur une idée neuve en Europe pour les hommes et pour les poules, vaches, cochons. Un mec a dit il y a 2000 ans, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. On pourrait même dire mieux, ce que nous faisons au plus petit d'entre les nôtres, c'est à nous-mêmes que nous le faisons. C'est notre âme qui se tarit, qui s'assèche, qui se racornit. C'est notre tolérance à l'injustice, voire à l'horreur qui s'accroît. Alors ce soir, ensemble, interdisons l'élevage des poules pondeuses en cage, faisons un petit pas pour les bêtes, mais un grand pas pour l'humanité.